On va tenter le pet temporel pour récupérer le hamster. Je pense que ça va être une bonne technique. Non, c'est pas celle-ci. Celle-là. Regardez, on va tenter ça. Hop. Vite, vite, vite. On a 4 secondes. Et voilà! Hé, hé! J'en étais sûr. C'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer les animaux. C'est pas ouvert ici. Ok, on va aller voir la sœur aussi, si on peut faire un Il n'y a selfie. pas de combat à mener dans ma chambre, combattant du crime débile. Ouais, j'étais sérieuse, toi. D'accord, je ferai un selfie avec toi, petit collectionneur de yaoi. Lol. Youpi! Youpi! Je suis canon! Non. Emballe ta vie, toi. Bon, du coup. On va ramener Amtaro à Craig. Voilà. On va utiliser la technique. Yeah! Voilà! C'est bon. On a compris le délire. On sème un beau chaos aujourd'hui. Un chaos digne d'un triple A. Je suis presque sûr que ma gynéco m'a mis une puce électronique dans le Vajobijoba. Dans le Vajobijoba. Je pense en foiré. C'est le gamin justicier, chopez-le. Tenez. Let's go, on va se battre. Non, non, je les ai bien blessés. On part avec un petit avantage à du moi coup. Le prix de meilleur mignon. Ça vous dérangerait pas d'aller plus loin pour vos gamineries Comic-Con? Hop là, non. On va utiliser B. Vas-y. En ça! Les effets spéciaux étaient mieux dans le Dr. Wood 80. J'ai les bouts qui gèlent. J'ai les bouts qui gèlent. D'ailleurs, c'est quoi ce déguisement? Ah, c'est vraiment moche! Je vais le sucer, les mecs! Qu'est-ce que c'est mieux que de gratter les swing-gums sous les sièges. Je le sens bien, ce coup-là, les mecs. Ça va piquer un peu. Vous devriez travailler votre chorégraphie, cosplayer du dimanche. Rentre chez ta mère, abruti. Micro-agression, frappe-le. Mince. Wow. Capitaine Diamond s'apprête à frapper. Non, il y a moyen. Diamond. Bim, bim, bim. Et son déguisement vous appelle le vrai vendeur Peter. Et hop. On veut plus de trucs comme ça, tu te dis trop. Ah, c'est pas mal cette technique. Non, c'est la mort. Oh oh. Oh, oh. Ça va péter, ça va péter. Mince. Mais voilà, encore. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Faites que ma cloison nasale ne soit pas redéviée. Oh, il pue vraiment la merde. Décasse-toi. La prochaine fois, je vous montrerai ce que j'avais en tête. Je compte sur ton partenaire. Par contre, j'en suis sûr, ça va être le boss final. Genre, il va être ultra cheaté. Alors qu'il a été nul toutes les games, tu vois. Bon, lui, il va mourir. Bing, 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 bing. Dans sa face. Ouh, Sean Fire. Agenouille-toi devant Chaos, misérable. Des beurs. Vous avez intérêt à nettoyer tout ce sang. Le moustique a flairé le sang. Wouah. Hey,
Mais c'est des vrais effets spéciaux ou des images 3D? Je t'ai coulé! Non, j'ai raté! Bon, c'est pas grave, c'est suffisant. Un autre ennemi se trouve à la puissance du cône et sa bande! Avec moi tous sur ces endroits! À mon tour! Et voilà, c'est gagné. Je suis content que ça soit fini, mes hémorroïdes me remercient pas. DVD d'orientation, 68 centimes, c'est bon. Plutôt pas mal. On récupère une chaussure, on ne sait pas qui elles sont. Ah, peut-être qu'on pouvait les faire tomber sur eux, je sais pas. Quand tu le donneras à Twig, fais-lui bien comprendre que quand on largue quelqu'un, on n'a plus d'ordre à lui donner. Bonjour, bienvenue au café Twig. Ouais, t'inquiète, je connais. Ah, il s'est enfin montré raisonnable, hein, d'accord. Le voilà, son dandy de merde. Bonjour. Le nouveau, c'est ça? Écoute, je vois que tu fais tout ce que tu peux pour que mon fils et son copain se remettent ensemble et... merci beaucoup. Avoir un fils gay, c'est bon pour les affaires. Je crois que ce qu'il leur faut, c'est une thérapie de couple. Tu pourrais en parler à Craig? Ensemble, on y arrivera peut-être. On vient juste de se faire bolos le... l'ordi, là, au passage. Je peux pas. Pas tant que Twig et Craig n'ont pas réglé leurs problèmes. Où est-ce qu'il est? Une thérapie? Twig veut que je suive une thérapie avec lui. Il rêve. Dis-lui que je ne ferai une thérapie que si tu viens aussi. J'ai besoin d'un soutien. Oh là là. Bonjour, bienvenue au café Twig. Non, qu'est-ce ta que gueule toi. Tu rends ouf. Quoi? Une thérapie relationnelle? Craig, tu te fous de ma gueule? Bon, d'accord, j'irai. Mais seulement si t'es là. T'as l'air de réussir à le rendre raisonnable. Vas-y, ça marche. Pour le coup, on va se changer un petit peu, parce que... Ouais, d'accord. On va se mettre une belle tête. Vas-y, et si on restait juste... Non. Ça, on a déjà mis. Ça on a déjà... Vas-y, on va mettre ce nouveau truc. Voilà, ça marche. Parlez à Twig. à Craig. Bonjour, bienvenue au tais-toi, café. Tais-toi, tais-toi. On a compris. Il est parti où, Craig? Il m'a mis la douille, là. Ah merde, il était à l'intérieur. Bonjour, bienvenue au café. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il est où, Craig? Craig m'a prêté cet ordinateur quand le mien a craché. J'ai même pas eu besoin de demander. Bah vas-y. Bah, attends. Parlez à Twig. Parlez à Monsieur Twig. Ah, ok. Tu sais, c'est vraiment super de ta part d'aider ces deux garçons. Yeah, Electropunk. Bon, c'est bon, c'est réglé? Je peux pas. Oh, pas voilà. Tant que Twig et Craig n'ont pas réglé leurs problèmes. Du coup, je dois faire quoi? Mais ils sont partis où? Tu sais, on vend bien plus que du simple café artisanal. On va vendre des trucs. Salut, toi! Après, non, tout ça, c'est bon. En vrai, on pourrait... quand même en vendre un peu parce qu'on enlève beaucoup, hein. J'en ai combien? Vas-y, on va en vendre 105.
Waouh, alors on a beaucoup de déchets. Hein. Ah non, on s'est fait un peu de thunes quand même. Ce justicier nous a tous donné une raison de croire. Eh ouais. Eh, je me disais qu'on pourrait adopter un animal, un chat, qu'en dis-tu? Et pourquoi pas plusieurs? Yeah, on a gagné pas mal de trucs. Du coup, bah, on va les utiliser. Hein. On a plein de nouveaux costumes. Je partirais bien sur celui-là, moi. Ok, et les cheveux. D'accord. Ensuite, on va faire quelques petites créations. Surtout des costumes, vu qu'on en a beaucoup encore en robe. Il manque encore beaucoup de tissu. On va voir ce que ça donne du coup. Non mais il reste encore 40 voire même plus hein, de costumes. Putain. Hé hey, Gaminis, sacrée soirée non? Il vaut peut-être mieux que tu t'attaches pas trop à cette ville. Est-ce que t'en veux le nain? C'est ça, débine-toi, débine-toi le SEM. Du coup, on va aller voir Al. Tu peux retrouver mes chatons? Je suis plus moi-même sur les réseaux sans eux. Je t'en ai retrouvé, non? Il me manque encore quelques minous. Tu en as vu d'autres? Je ne sais pas ce que je ferais sans mes petits chatons. J'espère que Monsieur Esclave n'a pas égaré mes chatons. Il n'est pas du tout ordonné. Tous mes minous portent une petite écharpe rose. Je t'en prie, si tu en vois un, viens me le dire. Tu peux retrouver mes chatons. Putain, y a pas je tout suis le monde. Plus moi-même sur les réseaux sans eux. Oh, Seigneur Dieu. Ah, ça veut dire qu'on avait déjà fait un selfie. Oh, Seigneur, Seigneur Dieu. Merde, tu peux retrouver mes chatons. Je suis plus bon, moi-même compris, sur les réseaux sans eux. Du coup, on n'avait pas tous les chatons. C'est le limite, c'est ici, je crois. Non. C'est le super héros diabétique le plus fort du monde. Bonne route, courageux guerrier. Nous nous reverrons. Oups. Enculé. Ah.
Le nouveau est là. T'as les médocs de Classy? Ouais, t'as intérêt à avoir mes médocs. Eh ben putain, c'est pas trop tôt. Merci Seigneur, j'en avais salement besoin. Si j'ai pas mes médocs, je vais perdre la tête et déconner un max. D'accord? Ok, ça va beaucoup mieux. Bon, écoutez, l'endroit où vous voulez aller, c'est le Youstorit. C'est là qu'ils emmènent les chats, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, Kun, ici Quickie. Le nouveau a obtenu l'info de Classy. Pas mal le nouveau, vous avez appris quoi? C'est le Youstorit au nord-est de la ville. Classy dit qu'ils emmènent les chats là-bas. Le Youstorit, on aurait dû deviner. Bon, gardez Classy à l'abri, je vous rappelle bientôt. Bien compris, Quickie terminé. Regardez-moi ça, si c'est pas mon petit héros. Il faut que je prenne un selfie avec mon petit héros. Youpi! Merci, mon chou. Continue comme ça. Classy est une nouvelle femme. Entre toi et moi, le Kun est vraiment un cassos. C'est sûr, mon pote. Youpi! Ça va cartonner sur les réseaux.